Yo le crew, comment il est? Alors, aujourd'hui, on va faire une petite expérience. Donc, on va essayer. Oula, la connexion est déjà pas très bonne. Alors, on va essayer de streamer un jeu VR. Alors, on va essayer Half-Life Alyx, qui est apparemment un gros jeu VR. Parti. Alors là, je suis dedans. Bon, alors là, clairement, j'ai vraiment plus l'impression d'être chez moi. Vraiment, ce que je veux, c'est tester l'immersion. Bon, alors ça marche bien. On peut prendre un peu ce qu'on veut. Est-ce qu'on peut prendre la chaise? Ah, on peut prendre la chaise. C'est fou. Ça c'est bien fait, hein? Qu'est-ce que c'est? Un tableau. Oh, si ça efface, c'est qu'ils ont pensé à ça. Je pense que c'est fait exprès. Si on a l'efface tableau, c'est qu'on peut effacer, je pense. On va essayer. Ouais. Putain, ils ont pensé à ça. C'est fait exprès, ça vous donne envie de. Ils ont mis ça à côté, ils savent que le joueur il va faire ça. C'est un truc de fou. Là, tu vois, vous voyez quand la patte de l'espèce de robot a tapé sur le balcon, j'ai vraiment eu un petit coup de frisson. Putain, mais le niveau de détail, les gars. Le niveau de détail. Je sais même plus dans quel sens je suis chez moi. Voilà, voilà. Là, qui les gars, la coronavirus, oui. Attraper un barreau d'échelle pour commencer à monter. Allez, putain, ça c'est bien pensé. Ça c'est super bien pensé. Alors d'habitude quand vous montez les échelles, les gars, vous appuyez sur haut. Et bien là, je suis. Il n'y a pas la caméra, vous voyez pas, mais je suis vraiment en train de lever les mains et attraper l'échelle pour monter. Passer de la trappe. C'est tellement voyant que. Ah, ok. Donc on a exactement bien. Donc là, je pense qu'il faut que je saute. En l'air, mais en l'air. Si j'ai vu pas les mains, il se passait quoi? Attends, je vais essayer. Ils font rien en fait. Putain, c'est trop puissant! Bon, je garde les mains en l'air, j'ai juste fait mon roleplay. Putain, les gars, ils ont des armes. Non! Je me suis fait électrocuter. Pas de soucis, je serai là dans une minute. La petite poignée rouge. Les boutons. Appuyez dessus. Oulala, c'est comme Batman ici. Bon, attends. Mon drone est en bon état, non, il a explosé. En fait, moi, ça va. Putain, c'est un truc de fou. Il y a tellement de détails. Je prends un truc. Prends n'importe quoi. T'es sûr? Alors, je pourrais prendre ce petit bonhomme là-bas, mais je vais pas prendre ça. Parce que c'est trop évident. Je vais prendre le. Si c'est évident, vous allez me dire. Mais la faut pas. On prend ça. Okay, that's good. I thought you said us.
Monsieur. Putain, ils ont pensé à ça. Attends, on va faire un peu. Monsieur. Une fois que tu me dis ça. Regardez-moi le détail de ces trucs, putain de merde. Excusez-moi pour les jurons, mais c'est tellement bien fait que. Non, entrée, bah si, il faut bien rentrer. Voilà, les grands sont là, je pense. Alors, j'ai l'impression de me sentir comme un Batman là. Hop là. Alors, j'ai des gants. Je vais essayer. Oh, c'est trop puissant, les gars! Mais comment tu fais pour. Putain, mais c'est. Franchement, les gars, le truc qui est impressionnant, c'est. C'est que. On a vraiment l'impression que c'est réel. C'est-à-dire que les mouvements que je fais avec ma main, j'attrape le truc au bon timing et je l'ai dans la main, quoi. Putain, mais c'est trop puissant, les gars. Vas-y, envoie. Envoie, je maîtrise maintenant, c'est bon. Mais c'est pas puissant ce qu'ils ont fait, les gars, franchement. J'ai vraiment attrapé le truc en plein vol. Alors, je sais que je m'extasie pour un rien, mais franchement, les gars, quand on est dans le jeu, ça n'a rien à voir avec ce que vous voyez. Hein. On va tester les viseurs. No shortcut? C'est quoi le gars, il a une shortcut. tête de pierre. Il faut la buter, hein, pas le choix. Voilà, les premiers monstres qu'on va avoir. Ah, alors là, ce qu'on va faire, je pense, c'est qu'on va tirer sur le cadenas et le truc va le bouffer. Il y a 2 balles, quoi. Ouais, le truc va le bouffer. Ah, c'est les balles? Bon, toi, mets la question. Ces balles-là, moi je fusille. Ah, je fusille là, mon connard. Allez, rentre. Voilà. Attention, les amis. Je suis un peu qui sont arrivés dans mon dos un peu sur le con là. Ah mais j'aurais dû utiliser ça du coup quand. Oh putain, un fusil de pied. Homme de merde. Un point. Un coup de. Montre ici ça de sa figure. Bon, on va prendre le pompe là-bas. Il y a un petit monsieur qui m'attend. On va prendre ça, les copains. On va lui exploser sa gueule. Et venez la bande de merde. C'est ça qui est un peu stressant, c'est quand le gars vient vers vous et que vous êtes en train de. Ah, les trucs là. Bon, on sait pas ce qu'il y a derrière. On va dire que je suis prudent. Parce qu'il y a un truc qui me saute à la gorge. C'est ce que j'ai dit.
Qu'est-ce que j'ai dit? Fils de pute. Alors, on n'aura plus dormi. Il y a un bug en face. C'est effrayant d'aller en bas là. Et je vous assure, en VS, c'est stressant de marcher ici. Hein. C'est vraiment stressant. Il y a sûrement un truc qui dort et là. C'est pour ça que les jeux d'horreur sur télé ça me fait plus trop peur. Maintenant, quand tu joues un jeu en VS, c'est beaucoup plus flippant. Alors, c'est quoi ça? Attacher la lampe torche au gant anti-gravité. Bah, ça veut dire qu'il y aura des endroits où ça va faire noir au final. Il y a un bébête là, je sais pas depuis tout à l'heure. On va se mettre là. C'est ce que j'ai dit. Putain, il y en a plein. Putain les gars, c'est stressant. Stressant à mort quoi. Ces petits trous là, je n'aime pas. Oh putain, je dois y aller là-dedans. All right, Russ. Really need you to talk again. Absolutely. Okay, but ça là. Not from a bread line, from a bakery across the street. Baked that day. Do you have other things on to get in? Oh putain! Fais ton cul, recule! Putain, il y avait un truc en haut? Et si je l'explose avec le pont, je pense que ça peut passer aussi, non? On va tester. Bon, je pense que c'est bon. Un truc. Vous êtes combien les gars? Possible ça? Ah, autant au début du jeu il n'y avait pas grand chose comme monstre, autant là je suis servi. Hein. Voilà ce que j'ai dit. Qu'est-ce que je viens de dire? Vas-y, viens, viens. Viens. Ça sera fini.
Putain. T'as vu les réflexes là? Y'en a encore un. Y'en a encore un, y'en a encore un. Y'en a encore un là-bas. Je prends trois balles.